the peace project, I was the local mapping coordinator in Constantine. I worked with volunteer student mappers who went on the field to reach out to local association in my region. This was an opportunity for our career center to make the first contact with the civil society. And since then, we have had several activities as a training and civic engagement fair. En tant qu'étudiante volontaire au Centre des carrières de Constantine, j'ai participé aux différentes activités du projet PEACE, à commencer par le mapping, où nous devions en tant que mappers rencontrer différentes associations et connaître leurs besoins et comment pouvoir les aider grâce au projet. Par la suite, j'ai participé aux formations sur l'engagement civique et le volontariat. Aussi, j'ai participé à la journée organisée pour la sensibilisation sur l'engagement civique. Grâce à l'appel au mini-projet, j'ai pu, avec quelques collègues, entreprendre notre propre projet qui porte sur le langage des signes et sa promotion au sein de la société civique. Le processus du mapping consiste à recenser en premier lieu le besoin des associations en termes de formation et de bénévoles. Et cela donc à travers un travail de réseau avec les autres mappeurs. Donc on a pu recenser ces besoins, donc les besoins des associations en termes de formation, aussi en termes de bénévoles. Et comme ça on a pu aussi établir un pont entre les associations et les bénévoles. Et à travers le projet PEACE, à travers les activités qu'il a proposées, donc actuellement on a pu réaliser beaucoup de choses. Tout d'abord par la création, en ce qui nous concerne, nous, on a créé un groupe de jeunes. Donc on a pu, avec ce groupe, réaliser un projet qui est de grande envergure, un projet vraiment intéressant. Les objectifs spécifiques, donc on a l'initiation des sourds-muets au métier du cinéma, leur initiation. Il y a aussi former les jeunes cinérastes aux bases de la langue des signes. Donc eux, ils vont nous apprendre les bases de la langue des signes pour mieux communiquer. Cette formation-là de bootcamp, elle m'a trop attiré parce qu'elle parle d'une chose qu'on pourrait. Elle parle de la vie actuelle, de la vie quotidienne, elle parle de la personnalité de la personne, du côté personnel exactement, parce que là, du côté personnel, du côté collectif, on parle aussi du développement personnel. Donc là, ça englobe tout ce dont elle a besoin une personne. Donc il y avait deux choses très importantes dans la formation. L'une était le travail, sinon la méthode dont la formation a été exposée par M. Hamza. C'était vraiment une méthode très intéressante. C'est mettre en pratique les connaissances, parce qu'on avait on était plus habitué à des formations théoriques, mais là c'était plus de travailler en groupe, c'était vraiment de la pratique. Donc c'était une formation qui parlait de développement en général, développement personnel, développement collectif, qui parlait du bénévolat, l'importance du bénévolat, et qui parlait aussi du leadership. La première fois que j'ai su pour ce projet, c'était sur internet, c'était lors de l'appel à projet PEACE. On a proposé notre idée, on a candidaté pour cet appel à projet. Ensuite, ils nous ont aidé à la conception de ce projet grâce à des formations qui sont dédiées justement pour renforcer les capacités des associations. C'est ce que j'ai découvert pour la première fois, d'ailleurs je ne sais pas, c'est le PPH, processus de production du handicap, et les techniques de plaidoyer. Je vois donc ces choix de formation et une plénitude, une complétude vraiment qui est très intéressante. Elle répond aux besoins de notre association.
le jour où j'ai entendu sur le projet de PIS et je me suis complètement intéressée à les formations qu'elles offrent aux associations. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup aidée à améliorer mes connaissances dans le mouvement associatif. Et ce que la formation qui m'a beaucoup plus touchée, c'est la formation de bénévolat qu'on a fait à Tmazarez. C'est très intéressant et que je tiens énormément. J'ai pu discuter et avoir l'échange avec toutes les associations qui se trouvent dans la salle de la bibliothèque qui se trouve à Tmazarez. On a pu avoir des échanges d'opinions, de pensées et même aussi de profiter au maximum d'attirer des gens, des étudiants au sein de notre association qui s'appelle Union des Surmuets et qui même il y a des étudiants finalement qui m'ont demandé des renseignements sur notre association et aussi de vouloir apprendre le langage des signes. Ce projet PIS comprend plusieurs étapes, notamment des formations. J'ai suivi pratiquement toutes les formations et dans celle de la GCP, qui est la gestion du cycle de projet. Cette formation de la GCP s'est déroulée à l'Union des Sourds et Muets de Béjaïa. Et ça a pris 5 jours, notamment sur du début à la fin, la préparation c'est-à-dire de l'introduction jusqu'au cas pratique. Il faut savoir que la GCP nous a appris à comment faire des projets. Donc l'introduction de la GCP comprend le constat, comment constater une situation et comment préparer notre projet au sein d'une association. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment les éléments qui constituent ce cycle de gestion du projet. Et nous avons terminé par des cas pratiques et des exemples que nous avons nous-mêmes préparés et nous comptons les mettre en œuvre. Et justement pour la mise en œuvre, nous comptons concrétiser notre projet en ayant suivi bien sûr cette formation qui nous a permis de structurer notre travail. Et nous comptons faire appel à beaucoup de membres de l'association pour pouvoir rendre pratique ce projet. I run civic engagement training sessions for university students. The students were very motivated and very interested in the themes of the training. I really liked their participation and their contribution in training sessions with their new ideas, their new projects. It has been really fun to watching these young students get to know each other and build new projects that are now starting to be realized. Today I'm greatly honored to be in here to talk about one of the most important and the most amazing, outstanding experience that I had in my life, which is being a part from this project, which is called Peace Project. Participating in Peace Project gave us an opportunity to realize some of ideas and put it on papers and work on with specialists that are guiding us and giving us some details, some information, and some techniques to work. And this is just to put a plan to make a project in future. Ce qui était bien, c'est qu'on s'est mis dans le bain du volontariat des bénévoles, enfin dans le bénévolat. On a compris ce que c'était, quel impact la notion du bénévolat a dans l'organisation, c'est l'utilisation de différentes compétences. On n'était pas des gens dans la même spécialité, il y avait plusieurs étudiants de différentes spécialités. Donc c'était l'échange de compétences, d'expériences. Ça nous a permis, comme j'ai dit auparavant, de connaître ce que c'était le bénévolat. It's very important to share things. It's very important to know exactly what do you want from this life. And during this training, I figured out how amazing the feeling that I'm going to get when I do help other people to do something or to make themselves better, you see? So being a volunteer, actually, it's the most
outstanding thing that I'm so proud of. Ces formations ont été vraiment très bénéfiques pour plusieurs associations locales. J'ai beaucoup apprécié la formation de gestion administrative et financière d'une association qui m'a permis de gérer mon association, de créer d'abord ma propre association et de la bien gérer du côté financier et du côté administratif. Nous avons remarqué que généralement les personnes en situation de handicap ont des difficultés à s'intégrer et aussi à communiquer, notamment les personnes surmuées. C'est pour cela que notre projet il porte à travailler avec la communauté et la société civile afin de faciliter la communication des personnes surmuées. On a bénéficié des formations qui ont été destinées aux associations, notamment les formations sur la gestion cycle projet et les techniques de plaidoyer. Et aussi, grâce à ce projet PIS, on a pu recruter quelques étudiants au niveau de notre association qui eux-mêmes ont bénéficié d'autres formations organisées par PIS et parlant surtout sur l'engagement civique, etc. Le projet PRIS, même par exemple la fin de l'eau, même tout le projet qui est en Indonésie. Mais dans l'avenir, nous avons les outils. Mais les bénévoles, les canines, avec le cadre associatif, le structuré, les démarres à Tchrim, ou Tchrim, le basmat à projet PRIS, les gens toujours à l'avenir, ou même à le centre de carrière, normalement, nous راحين نبرم ان شاء الله لو بروجي اللي راح نديروه مع لي باز دو دوني اللي راح نخدموها مع لو سونتر دو كارير لي ديما راح تكون ان كونتينيتي لي برب ان شاء الله راح نستفادوا فيها سواء لي بيرسون هانديكابي اي لي سيتي. L'initiative qui a été faite par l'université de Wergla, Qasim Meber, c'est une très bonne initiative, à savoir faire connaissance entre l'étudiant et les entreprises. Moi, je présente l'entreprise nationale de travaux au PIM, qui s'occupe du forage, et c'est la deuxième fois que nous participons à ce genre de rencontre. Ça permet en même temps aux entrepreneurs de pouvoir expliquer les activités, le savoir-faire, les compétences que nous désirons avoir, de même que pour les étudiants, d'avoir une idée de ce que c'est une entreprise, quelles sont les projections dans l'avenir, dans le monde du travail. Parce que c'est vrai que le monde du travail et le monde universitaire est complètement différent. Mais c'est une complémentarité qu'il y a lieu de mettre en relief entre l'étudiant, l'université en elle-même, avec le savoir qui puisse y être et avoir, et l'activité des entreprises. Nous avons rencontré les étudiants et il y a eu un échange entre eux et les jumeliers, et avec les associations qui ont été présentes. وهذا اللي أعطى فرصة لنا إحنا الجمعية اللي كينا ننشر الأعمال تاع الجمعية وكذلك أعطانا الفرصة بنزيد عدد المتطوعين والحمد لله كان هناك إقبال كبير كان أكثر من المتوقع حوايج كما هذه مليحة للطالب مليحة للجمعية طالب هنا في جامعة ورقلة الحمد لله لقينا في عنده الكفاءة ولقينا عنده لقينا عنده حتى الخبرة كي يسير مشاريع سواء في الجمعية أو في مجالات أخرى. We came here because we already have a lot of students from this region and especially from Wergla who are all from the smallest linguistic trips to the academic long-term programs. And they mainly do that because it helps them later with the employment, etc. I'm very satisfied about this participation because we have noticed that the Algerians are generally average in English, but people from the south are really, really good. I mean, they are the best ranked in my opinion.
and they really know the importance of English in their future career or studies. لقيت شباب يعني مبادر شباب يحوس على عمل motivé, enthousiaste. Donc c'est très très intéressant. Moi je vous encourage à organiser encore des salons comme ça et de les généraliser un petit peu. Donc pas uniquement à l'université des sciences de la gestion, toucher un petit peu les autres secteurs techniques. Et sachez bien que vous allez aider beaucoup et énormément à la problématique, à résoudre la problématique de l'emploi au niveau de la wilaya de Ouargla. LFL tour, it's four sessions to teach English. We started in Bolhesia, now we're in Angusa. This is our third session. Why four sessions? Because our aim by this project is not to teach English, is to motivate the youth to learn languages independently. What's my goal? Change the world. So, who are you? Yes! Thank you. In our sessions, we have like someone or a volunteer or an organizer to sit with the volunteer trainers. So to watch the performance of the volunteer trainer. So when the volunteer trainer is doing their job, the organizer or the one who are sitting with them, you know, take notes. And after the session, we give them feedback. How was their performance? So we give them an opportunity to develop and to improve their skills in teaching and stuff. The volunteer trainer is asked, you know, to prepare an activity which has, for example, 20% a lesson and the other 8% is fun or activities where they can move, play and interact. Merci. Merci. Pink. Pink t-shirt. Oh. Wow. The goal is to recruit, you know, the English students who are newly graduated or are still studying in this kind of project. So they have enough experience, you know, when they graduate or to fit in their profession. أنا فعلت خير من الجيتار. أنا بالنسبة لي هنا الجيتار خير من الثانوية. أنا وياك ملتزم بالأستاذ ما تتحركش ما دي على فالتور تعطيك المتعة تعطيك تدخليك نتايا بعد تبغى القراية. أنا عدنا الثانوية ساعات لقى روحك ما تسمكش باغي تقرأ. أنا على فالتور تخليك تقرأ بسيف مش بسيف عليك بس صح أنت اللي ترغب. To give what you have and not keep it only for you and to teach others, not to teach but to share what you have with others, it is really an amazing experience for me. And I liked it so much because it gives you the chance to share with what you have. C'est l'occasion de la Journée nationale sur le handicap. La thématique donc choisie, c'était de parler sur le bénévolat, de l'insertion professionnelle des personnes, des étudiants en général et des étudiants aux besoins spécifiques en particulier. Et ça a débouché sur deux ateliers. Un atelier sur le bénévolat et un atelier sur l'insertion professionnelle des personnes avec handicap. Il y a la présentation théorique des thématiques, il y a l'application dans les ateliers. Nous avons constaté le détail qui a été fait dans les ateliers. Ensuite, nous avons dégagé des recommandations aux décideurs de l'association, soit au niveau de la wilaya ou bien même des questions de revendication qui sont au niveau national.
il y a un besoin au niveau du marché de l'emploi et que l'université doit répondre à ces besoins-là. La question de l'insertion professionnelle devient une question centrale sur, au niveau des formations et de voir quels sont les moyens afin d'arriver vers des formations qui permettent une insertion professionnelle des nouveaux diplômés d'une manière, facile. L'approche du bénévolat en Algérie, c'est une approche un peu, disons, comme on dit en général par langage généraliste, c'est une approche agricole. C'est-à-dire qu'on conçoit le bénévolat, aller adhérer dans une association par affinité, et puis généralement c'est donc des effectifs restreints pour des activités répétitives. Mais au fond, actuellement, donc dans le monde, la place du bénévolat, c'est tout un secteur qui est appelé un secteur tertiaire, où on a développé donc des possibilités de bénévolat avec un management. C'est-à-dire qu'on mettait donc un encadrement d'associations, ou bien de fondations, ou bien de groupes, et on organisait donc, on mettait sur l'information du public, donc les besoins, puis donc le grand public pouvait venir intervenir sur un créneau horaire défini, sur une thématique définie ou bien sur une compétence définie. Donc cette approche-là permet en définitive de dépasser la vision qu'on a ici en Algérie où le bénévole, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous condamnez dans un processus donné. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'engager dans le bénévolat. Originally from Wargla, and they did that 2 times in there. So I have great idea about it, but this is my first time participating in it. And through participating, I have lots of experience. I get to know lots of new persons. I even get to integrate myself into new associations. So it was really magnificent for me. Cette initiative d'aujourd'hui était vraiment magnifique, et j'aimerais bien que au futur il y aura vraiment d'autres initiatives comme celle-là. Et c'est ce qu'on a besoin le plus pour avoir un réseau d'associations, un réseau de gens qui vont s'entraider pour une meilleure société et pour un meilleur futur pour la vie.